Faut que j'aille chercher un chocobo, je passe par le sentier, bidule. J'espère que c'est pas pour rien, parce que sinon ça veut dire que j'ai utilisé une carte de téléportation pour rien. Donc c'est bien au bon endroit. Bon, je suis pas pile poil au niveau de l'entrée de la plaine, mais pas loin. Alors, où se situe le petit Jean-Jean? Ah! Ah, donc il faut que j'aille vers le nord, je revienne là. Ok. Très bien. Pas de soucis. Bon, il m'a un peu ambiancé, hein, Jean-Claude, là. Un petit peu peur. J'ai eu peur à cause des bruits de pas. Donc en vérité, tout va bien. Comment ça? Entraîneur. Ah, j'ai eu peur. Tu dis, c'est bloqué, bon, super. Oui, donc ça c'est les petites chauves-souris, y'a pas de soucis. Des rouges gueules. Y'a pas que les petites veneuses blanches. C'est fou. Qu'est-ce que c'est encore? Ah. Très bien. Alors ici. Ici, il faut que j'ouvre le passage. Il y avait un interrupteur. Comme ça, je peux passer là. Et ici, j'active l'interrupteur. Et nous y voilà. Ça devrait bien se passer, là. Pour la recherche, en tout cas. On va enlever la carte. J'enlève le x4 de temps en temps, là, parce que j'ai un petit peu peur du monstre qu'on va affronter. Juste le temps qu'on combatte les chauves-souris, je peux le laisser. Oh mon dieu, non! Il a paru, là. Ok, alors. Il a silence. Il a silence, c'est déjà bien. Attendez, attendez, parce que là, il y a plein de gens. Il y a plein de trucs, c'est dégueulasse. Je vous propose qu'on atomise tout ça. Grâce notamment... Ah, il a fait perdre tous ses PM aux gens. Quel bâtard. J'ai tout vu. Il a fait perdre ses PM à Larsa. Bref, je vais au moins atomiser les chauves-souris avec ça. Qu'on fasse des combos. Ça, si les chauves-souris sautent, on va pouvoir se concentrer correctement sur notre cible. Et il fait peur, hein. En même temps, c'est l'autre, là. Il m'a trop ambiancé avant le contrat. C'est terrible. Ok, c'est pas mal, ça balance. Ah mince, j'ai loupé un afflux. Terrible. Ok, c'est pas mal. On enchaîne une belle combo. Oh oui. La pyrolyse encore, pour finir. Terrible. Bon, c'est déjà une belle combo. On a eu du rang 3 qui est arrivé. Je sais pas si on en a eu assez pour avoir un cataclysme. Une petite finition particulièrement qualitative. Fusion cataclysme. Alors.
Ça lui a fait mal. Hein. Ça lui a fait des dégâts. C'est déjà pas mal. Bon, relativement cher. Là, ça souffre. Mais heureusement, j'ai quelqu'un d'autre qui est capable de soigner en dehors de lui. Et il a bouffé des PM aussi. Oh, c'est bon, on l'a dégommé. Hein. Ça a plus de peur que de mal. C'est l'autre, là, l'autre qui... Le client du contrat, il m'a trop ambiancé. En mode, vous allez crever, là. Blablabli, blablabla. Ah oui, non, mais parce qu'il y a le glas, en fait. D'accord. Non. Énorme, le glas. Bon, on a Fran qui va tomber, hein, du coup, à un moment donné. Problématique, par contre, le fait qu'on tombe sur les petits flancs. Oui, non, mais ils sont un million, en plus. On veut ouvrir ça. L'objectif, ça va être de ne pas utiliser de queue de phénix sur Fran, si possible. De juste partir. Fran est tombé. Et si je vais... Au niveau du cristal, tout va bien se passer. Voilà, elle est de retour. Du coup, il faut que je me re-téléporte du côté de Jara. Pour revoir le client. Prendre la petite récompense. C'eût été dommage de la louper. Et puis voilà pour les contrats. Après, les autres, soit on n'est pas dans les bonnes conditions météorologiques, soit c'est un rang trop élevé pour nous. Donc autant qu'on continue l'aventure. L'aventure. Ah, vous avez réussi, vous avez tué Ixtab. Ah, je vous en remercie chaleureusement. Et puis je me permets de vous raconter son histoire. Ixtab était en fait la résurgence des esprits de tous les Garifs ayant perdu la vie dans les mythes de haine. En principe, les guerriers du village auraient dû s'occuper de ce monstre, néanmoins, même maléfique. Il nous était apparenté. J'étais surpris de voir que vous nous veniez en aide. Vous, que nous connaissons. C'était peut-être le souhait de nos ancêtres. Alors, le voilà exaucé. Oh oui, 1300 balles. Merci. Bon. Maintenant que tout ceci est fait... Est-ce que j'ai des choses à acheter? Est-ce que tu me proposes des petites emplettes qualitatives? Alors les armes et tout ça, je crois que j'ai déjà acheté tout ce que je pouvais. Hein. Ah oui, non, il y a juste Van qui a été un petit peu amélioré, c'est vrai. Il a des nouveaux permis. Certaines choses qu'il ne pouvait pas acheter à l'époque. Enfin, il ne pouvait pas les équiper. Voilà. Alors qu'il gagne un petit peu en stats. En vrai, il faudrait que j'achète ces trucs-là aussi à l'occasion. Super potion, on va en racheter. Voilà. Ça nous met bien. On va racheter de ça aussi. Un petit peu de ça. C'est tranquillou. Bon. Maintenant que c'est chose faite... pouvoir se re-téléporter. On aurait utilisé quelques pierres de TP, hein, mais bon. C'est fait pour ça. Je sais plus, mais j'espère qu'il y aura une mécanique un peu plus loin dans le jeu où on aura plus besoin de ces pierres de téléportation, parce que... Alors on aura moyen d'en créer ou d'en acheter, parce que là... J'imagine que le endgame, tu te balades quand même pas mal. Pour faire tous les contrats, les quêtes, les machins. Ça peut vite revenir cher. Ça peut vite devenir problématique même. Bien, bien, bien. Au niveau des levels. 25, 23, 24. On va rester avec cette équipe-là, hein, du coup. Histoire qu'il continue de choper un peu du level. On peut faire un petit peu de points de permis, par contre. Ce n'est pas interdit.
Renforce grandement les attaques physiques. Plus de PV. Plus de PV. Important les PV. Ah oui, ici. Excellent. Petit mist qui nous manquait. Ok. Ici. Bonus de force. J'adore la force. Ah, ça j'ai pas assez. Mais c'est très bien. Ça a l'air très prometteur. On va y prendre ça. Voler. Ah, ce serait pas mal qu'il ait volé aussi. J'aime bien récupérer des trucs. Capturer au final, bon. C'est plus difficile à faire que voler. Hein. Pardon. Je sais pas, un truc qui coûte 80. Visiblement pas du tout. Ok, ici. Plus de PV. Beaucoup plus de PV. Bouclier sanglant, et ça va me permettre d'atteindre le dernier mist ici aussi. C'est pas mal. C'est même sympathique. Hop, profiter des PV qu'on a gagnés. Et en avant. C'était par là, hein, je crois. C'est beau. Ah bon? Non mais je fais les contrats. Et au final, dans l'histoire, j'en étais un boss aussi. Très bien. Aujourd'hui, c'est la session Grande Bête. Le Monster Hunter de FF. Oula. C'est le dragon des fleurs. Le dragon le plus coquet. Il y a une petite musique là. Tenter de le voler. Hop. Pierre des esprits. Ah mais il y a des traits avec en plus. Inadmissible. Dragon ancestral. On va essayer de péter les traits avec, hein, tant qu'à faire. C'est une musique faite pour le remaster. Ah. Dans la version de base, il avait quoi, la musique des boss standard. Elle est bien stylée en tout cas. Vraiment sympathique. Les larmes ardentes, tu vas le dire après. D'abord, Fred se fait un petit coup de foot. Hein. La dernière lame est bien stylée quand même. Bien cool. Oula. 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 Au secours. Ça va être une combo nulle. Il y a 4 ou 5 nouvelles musiques. Ah, c'est bien ça. Qu'il y ait la réorchestration, c'est déjà sympathique, mais qu'il y ait en plus des nouvelles musiques dessus, c'est vraiment sympa. Oui, hit. Ok. Morsure du froid, je crois qu'on l'a jamais vu. Il me semble. Si c'est le cas, profitons-en. Non, non, j'ai loupé l'influx. C'est terrible. Et je crois qu'on a fait 3 level 3. Avec un peu de chance, on aura quand même une fusion sympa. Elle se fait de Shiva style. Non. On a rien eu. Hein? Bon bah, soit c'est un ulti, soit on a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, on a pris des... Oh la vache! D'accord. Très bien. J'en ai deux qui peuvent pas utiliser d'objets. Pourquoi? Attendez, est-ce que je peux voir les états, les altérations d'état? Ah, il y a confusion.
à cause de confusion. Ça craint sa race un peu là. Très bien. Bon. On est bien. Pas de soucis. Je sais plus si j'avais sauvegardé avant, mais tout va bien se passer. Tu comptes faire tous les boss optionnels? Je ne sais pas encore. Ça dépendra de si on est bien ou pas dans le jeu. Je compte faire au moins l'histoire principale. Ça c'est sûr. Ah mais Larza aussi est confus. Oh non. Non mais on va d'abord faire... Voilà. Larza est sauvé, comme c'est pour soigner des gens. Félicitations à lui. Confusion. Confusion. Du sel. Mettons du sel sur Fram. Je vais d'abord enlever la confusion. Peut-être qu'elle est enlevée maintenant pour tout le monde. Elle est enlevée pour tout le monde. C'est bon, ils sont pris des patates, ils sont contents. Bon. Cécité, ça fait que je vais pas faire de dégâts. C'est chiant. Mais est-ce que d'abord j'essaie de me stabiliser avec le poison? Non, poison, ça va pas non plus m'enlever trop de vie, je pense. Ah oui, mais il y a nécrose en plus. Ah, sinon, faut que j'utilise des remèdes, quoi, mais bon. Les pauvres remèdes. Il est vrai que ce serait un bon moment pour ça. Salut! Salut, salut. Remède. Elle est morte. Le remède l'a tuée. C'est terrible. Tout va bien se passer. Aïe. Bon, je me fais maltraiter là. Je me fais clairement maltraiter. C'est embêtant. Je suis embêté. Ah oui, mais elle a silence en plus. Du coup, elle peut pas soigner. Oh là là. Le remède s'enlève pas, silence? Si. Ah mais le remède a pas eu le temps d'arriver dessus. Oh là là. D'accord, bon, on va commencer par faire de la vie. Commençons par faire de la... Par super état, une super potion. Commençons par faire de la vie. Sinon, elle va se prendre une patate, elle va crever. Ça va être long. Voilà. C'est chaud! Tu sais déjà c'est quoi les deux prochains FF que tu vas faire? Oui. Je sais pas dans quel ordre par contre. Mais après ce FF12, on fera FF15. Que j'ai en version PC avec... Alors je connais pas les différentes versions parce que j'ai jamais fait la version de base, mais... il a silence aussi lui. Hein. Ça enrage. Faut qu'il soigne les gens. Sinon ça n'ira pas. Sinon ça n'ira pas et je vais enlever Bash. Oh non, je peux pas. Terrible. Terrible. Ok, Van qui survit. Van qui vit sa meilleure vie. Ah oui, mais parce que... Des gens sont morts. On va mettre tout le monde sur des objets. Hein. Alors, on va mettre Bash sur des objets aussi. Super potion en cours. Mettre super potion ici aussi, voilà. Ok, ok, bah ok, pas mal. Ici on essaie de se soigner, ici on essaie de donner ce qu'on peut. C'est compliqué. C'est compliqué, je suis en train de faire un brain freeze. Ok, la queue de phénix a été balancée. Oh, il va falloir soigner Larsa aussi. À côté de ça, Bash. Bash que j'aimerais bien remplacer en vérité. J'aimerais bien le changer. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est malheureusement pas le moment. J'aimerais faire du remède aussi. Hein. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il va balancer la super potion ici aussi. C'est parti. Allez-y, allez-y. Balancez, balancez. Voilà, voilà. Tout le monde va mieux.